Bonjour, bonjour. Je vous retrouve comme d'habitude pour les énergies de la semaine. Donc, on va commencer par le lundi, bien sûr, lundi 18 novembre. Voir ce que cette journée va nous révéler. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Pluvieux, mais bon quand même. Voilà. Vous êtes bien reposé, vous êtes bien amusé aussi, vous avez pris un peu de temps pour vous. Hein. C'est important aussi. Voilà, donc on va commencer tout de suite par un petit message de l'oracle de la création, le petit oracle de la création que j'ai reçu la semaine dernière. Donc on va voir ce qu'il va nous dire pour la journée. Donc, oula, ça saute déjà, il a envie de parler. Pour la journée donc de lundi, on va voir le petit message qu'il nous dit. Voilà, on va prendre ces quatre messages, voir un peu ce qu'il en est. Alors, on nous parle de courage avec le guerrier, on nous parle de rêve et d'imagination, de rôle et d'intégrité. Alors, je vais vous lire ce qu'ils nous disent. Parce qu'il ne craint plus son sort, il a le pouvoir de s'en dérober. Sa peur domptée lui insuffle la force de se relever, encore plus déterminé. Affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter. Le rêve et l'imagination. Sur mes ailes, je t'emmène vers des paysages lointains, à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui demain sera le tien. Le costume, ton rôle, ne porte que les costumes qui sied à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Et ensuite, l'intégrité avec le fou du roi. Il crie les vérités que d'autres pensent tout bas. La cour peut bien se railler de lui. Il est le seul à pouvoir singer le roi. Il a le courage d'assumer qui il est. Respecte-toi. Alors là, pour la journée de lundi et même pour les jours qui suivent, on est dans le respect de soi. On est dans vraiment révéler qui l'on est. On a vu dans les énergies de dimanche qu'effectivement, on avait peut-être tendance à se cacher derrière une personnalité qui n'était pas la nôtre ou peut-être de copier les autres. Voilà. Là, on vous dit qu'à l'intérieur de vous, vous avez le courage. Vous avez le courage du guerrier et le courage d'abandonner vos peurs et ensuite de pouvoir affronter la réalité. Vous avez eu le courage d'affronter tout ce qui vous est arrivé, vos difficultés, les défis que la vie vous a envoyés. Et du coup, vous êtes dans cette énergie de courage. Vous êtes dans cette énergie où il faut vraiment rester fidèle à vos valeurs et fidèle à votre intégrité. Il faut vous respecter, hein, c'est ce qu'on nous dit là. Il ne faut pas porter les costumes des autres, parce que les costumes des autres, ça ne vous va pas forcément. C'est quelque chose qui va être soit trop large, soit trop étroit, et du coup, vous n'allez pas vous y retrouver. En assumant votre rôle et en portant vraiment votre costume, vous allez pouvoir vous révéler, vous allez pouvoir continuer votre chemin. On vous dit que si on vous propose quelque chose qui ne vous convient pas, c'est à vous de savoir, hein, ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas, et de l'accepter ou pas. Mais on vous conseille aujourd'hui de ne pas l'accepter et d'être vraiment dans ce que vous voulez, de ce qui vous ressemble. Là, on vous dit d'avoir confiance, hein, parce que vous avez des rêves. Vous avez des rêves, vous êtes en capacité de les réaliser. Hein, voilà. En mettant en place votre courage, en mettant en place vos valeurs, vos ressources, votre intégrité, vous allez pouvoir mettre vos rêves en application et, on dit là, évidemment, créer le monde de demain et surtout créer votre monde à vous et atteindre vos objectifs. Voilà, de très beaux messages pour la journée de lundi. Alors, on va prendre un message de l'amour universel. C'est un très bel oracle aussi. Et c'est vraiment des très très jolies cartes, de très jolis dessins, peintures. Voilà, c'est plein de couleurs, plein de beaux messages. Donc on va voir l'énergie qui va nous accompagner tout au long de cette journée avec ce très bel oracle. Sont grandes ces cartes, c'est difficile de les battre. Il faudrait des grandes mains, en fait. Alors, on va prendre celle-là. Ah, alors, on nous dit mystique. Alors, je vais pas vous dire n'importe quoi, je vais vous prendre
ce qu'on dit sur cette carte. Que peut-être que pour certains, il est temps effectivement de faire ressortir le côté mystique, hein, éveiller les facultés psychiques et spirituelles qu'on a en nous. Chacun de nous a ces facultés-là. Alors, elles sont souvent au plus profond de nous, on les a oubliées, elles sont endormies. On les a toujours possédées. Hein. Peut-être que pour certains, certaines de ces qualités, donc certaines de ces facultés, pardon, remontent à la surface. Et du coup, on demande de faire confiance. Pour ceux qui seraient effectivement plutôt côté spirituel, faire ressortir des dons qu'on a au niveau voyance, au niveau cartomancie, au niveau énergie, il est temps peut-être effectivement de travailler là-dessus, hein, c'est ce qu'on nous dit. Pour les autres, simplement écouter son intuition, hein. Faites confiance à son intuition. Peut-être quand il y a une pensée qui est inhabituelle, qui vous traverse l'esprit, vous ne savez pas d'où ça vient, écoutez-la. Hein, peut-être qu'elle a un message à vous dire. C'est simplement un ressenti, hein, peut-être un ressenti qui vient du plus profond de vous. Il faut vraiment y prêter toute notre attention. Hein, voilà. Voilà. Et bien, écoutez, utilisez votre intuition pour la journée de lundi, en tout cas. Peut-être qu'elle va vous aider à résoudre des conflits. Peut-être elle va vous aider à avancer, simplement. Hein, vraiment faire vraiment attention dans les jours qui viennent à votre intuition. Peut-être, effectivement, pour certains, ça sera peut-être l'occasion de regarder les signes. Des signes vont arriver. Peut-être que c'est l'occasion, effectivement, de faire parler ces signes, d'y prêter attention et puis d'écouter ces ressentis. Voilà. Voilà ce qu'on nous dit pour la journée de lundi. Alors, on va continuer avec... C'est un essai que je fais avec le petit oracle qui s'appelle le Petit Mort, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps non plus. On va voir ce qu'il nous dit pour les prédictions de la journée de lundi. Donc on va faire un petit tirage en 9 cartes, voir ce qui ressort. Alors c'est un tout petit jeu, j'aime bien parce qu'il parle bien, il a des dessins, très faciles à comprendre. Donc on va voir ce qu'il nous dit. Alors, pour cette journée, on nous parle peut-être d'attachement à ses croyances, d'attachement à tout ce qu'on a appris, ce qu'on nous a inculqué. Hein. On nous dit qu'effectivement, ben, peut-être, on est dans l'illusion peut-être. L'illusion de ses croyances. On a l'impression peut-être que ça va nous apporter quelque chose, de rester fidèle à ses croyances. Et puis, peut-être qu'on nous propose quelque chose d'autre. Et puis, on se dit, non, mais moi, ce n'est pas ce que je crois. Ce n'est pas ce qu'on m'a appris. Et du coup, on a peut-être tendance à rejeter ou à rester en tout cas dans l'illusion de ses croyances. Croire que ça va nous apporter quelque chose. Et puis, effectivement, peut-être nous empêcher de voir ce qu'il y a autour de nous. Hein. Alors, on va continuer. Alors, voyons voir. Alors, la carte centrale nous parle de messages qu'on peut recevoir, peut-être de jalousie aussi, peut-être qui nous entoure. Hein. Ça peut être des jalousies par rapport au milieu professionnel, j'entends ça. Ça peut être des jalousies par rapport à ce que vous faites qui est peut-être en dehors d'une certaine convention, peut-être aussi. Hein, j'entends ça aussi. Alors, la journée va être difficile peut-être pour certains.
Il y a une certaine violence, en tout cas, autour de cette journée, autour de certains d'aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des vieilles blessures du passé qui vont refaire surface, comme quelque chose d'inattendu, en fait. J'entends quelque chose qui reviendrait. Alors, c'est peut-être une action que vous avez portée en justice, peut-être. Vous êtes dans l'attente d'un résultat au niveau de la justice, peut-être simplement une attente au niveau d'un divorce, au niveau d'une affaire financière. J'entends plutôt divorce. Et du coup, vous attendez, vous êtes dans cette attente de jugement, cette attente de nouvelles, en fait, en tout cas. Jusqu'à présent, vous étiez vraiment dans un enfermement. On avait l'impression qu'on vous avait vraiment atteint au plus profond de vous, et puis comme si vous n'arriviez pas à vous en sortir. C'est quelque chose, c'était une blessure vraiment importante. Là, on vous demande de prendre du recul, d'analyser la situation correctement, peut-être, en tout cas avec un peu plus de légèreté, voir comment vous pouvez essayer de prendre de la hauteur par rapport à ça. Voilà, on vous dit que il ne faut pas rester dans le rêve. Voilà, vous attendiez quelque chose, en fait. On a l'impression que vous attendez quelque chose, et ce quelque chose n'arrive pas. C'est quelque chose qui vous prend la tête, vraiment. Vous avez du mal à avancer à cause de ça. Je sens que pour certains, ça doit passer par le pardon. Tant que c'est un peu compliqué comme tirage quand même, hein, parce que c'est quelque chose qui va pas concerner tout le monde, mais qui va être un petit peu, qui va peut-être résonner pour certains, je sais pas. On sent qu'il y a vraiment une blessure du passé qui est présente, concernant une décision de justice, et que malheureusement, il va falloir en passer par le pardon si vous voulez avancer, hein. Là, on parle vraiment de prendre sur soi, de vraiment de réfléchir à la situation, à la limite de se faire aider par de la méditation si on a besoin, vraiment se replier sur soi et réfléchir. Comme si on avait du mal. Voilà, là, la dernière carte, c'est vraiment essayer de s'enlever de ces illusions. Hein, voilà. Pour certains, on était vraiment dans l'illusion, toujours concernant cette affaire. Mais là, on vous dit qu'il faut vraiment prendre les deux. Enfin, il faut vraiment prendre de la hauteur par rapport à ça, et puis aller plutôt vers une solution de pardon. Hein, voilà. Tant que vous. C'est ce qu'on dit. Hein, on pardonne pas pour les autres, en fait. On pardonne pour soi. On pardonne pour nous avancer. Là, on vous dit qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être envisager une solution de pardon par rapport à ça, par rapport à cette histoire, ou en tout cas par rapport à quelque chose qui vous a enfermé. Quelque chose qui vient vraiment de votre passé, et qui a vraiment créé une mauvaise ambiance autour de vous. Et vraiment, c'est comme un accident. Ça vous a vraiment stoppé dans votre vie. On a l'impression qu'il y a un avant et un après, en fait, hein. Et que pour aller vers l'après, il va falloir envisager de pardonner, en tout cas pour pouvoir vous avancer. Tant que vous n'aurez pas fait ce travail de pardon sur vous, ça sera compliqué d'avancer et d'oublier ses blessures. C'est un peu particulier comme tirage, ça parlera peut-être à certains. On va essayer de. Je regarde là, on va essayer de faire un autre tirage, peut-être général aussi. Je n'ai pas sorti, on va le prendre. C'est comme si c'était un tirage bien particulier. On va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs pour un côté un peu plus général. Il y avait sûrement des messages à passer, hein, dans ce tirage. Alors prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, attendez, attendez la suite. Ça va peut-être plus résonner. C'était vraiment bien particulier. Donc je pense qu'il y avait quand même un message à passer pour quelques personnes, en tout cas. Ou même pour une seule personne. Si c'est pour une seule personne, voilà, le message est passé. Alors il y a une carte qui a voulu se retourner. Voilà, on nous parle d'ouverture, on nous parle de destin, on nous parle d'avoir les clés pour pouvoir avancer. Alors peut-être que ces clés passent par le pardon, je ne sais pas.
On va voir le... Et écoutez, ça va mieux. Ça va mieux. On nous parle d'amour, on nous parle de miroir magique. Pour certains, vous êtes vraiment dans une relation de couple qui est très satisfaisante. On vous dit que vous avez une ouverture, vous avez... c'est vous qui avez les clés en main pour que votre couple fonctionne bien, j'entends ça. Hein. Peut-être qu'effectivement, il y avait peut-être une période un petit peu compliquée pour certains, mais là, on vous dit aujourd'hui, ça y est, vous avez trouvé la solution, vous avez trouvé, je cherche le mot depuis tout à l'heure, vous avez trouvé, pas le compromis, mais vous avez trouvé ce qui va vous stabiliser, en fait. Et donc, on vous parle vraiment d'une journée où vous avez les clés en main, vous allez pouvoir avancer. Alors, on va voir ce que nous dit... En quelques cartes pour la journée de lundi. Alors, décidément, vous êtes vraiment au cœur du tirage. Hein, vous êtes vraiment au cœur de l'action, comme on dit. Dans le miroir magnétique, vous pouvez vous mettre vous. Hein, vous pouvez mettre votre situation. Vous pouvez vous mettre vous. Hein, voilà, on va voir ce que disent les cartes suivantes. C'est mon chat qui râle. Pour certains, je vois qu'il y a un retour à la santé. Alors, je ne fais pas la santé, mais on dirait que vous avez connu une période un petit peu difficile. Vous avez été enfermé, vous ne trouviez pas la solution à un problème et que vous allez avancer, vous allez trouver enfin, vous allez trouver des solutions. On a vu tout à l'heure que vous aviez la clé hein, pour vraiment prendre de la hauteur et retrouver en fait, alors dans santé j'entends votre bien-être, retrouver votre équilibre. Voilà, vous allez enfin ouvrir les yeux sur une situation qui vous enfermait depuis un petit moment. Alors peut-être que vous allez vous faire aider par quelqu'un pour retrouver la tranquillité. Voilà. Pour certains, cette journée de lundi, ça va être vraiment la découverte. Vous allez réaliser ce qui se passe. Voilà, j'entends ça. Vous allez réaliser ce qui se passe. Vous avez été enfermé depuis un petit moment dans une situation et vous allez avoir quelqu'un va. Alors j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vous apporter un éclaircissement sur une situation. Voilà. Alors peut-être que c'est un éclaircissement au niveau de votre santé. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose. Vous avez été peut-être un peu chahuté au niveau maladie, au niveau santé. Vous ne saviez pas bien ce qui se passait. Là, vous allez avoir un éclaircissement sur ce point-là. Pour d'autres, j'ai l'impression que c'est vraiment prendre de la hauteur par rapport à une situation qui vous a vraiment stressé, qui vous a... on voit l'enfermement. Hein. Vous étiez perdu, en fait, par rapport à une situation. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous apporter une solution. Alors, peut-être pas la solution, mais en tout cas un éclaircissement sur la situation et qui va vous permettre d'aller un peu plus loin, qui va vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à ça et de vous apporter la tranquillité. Hein, voilà. Donc, pour la journée de lundi, est-ce que je vois autre chose ? On me parle de voyage aussi. On parle d'une possibilité pour certains d'accomplir un voyage. Alors, ce serait plutôt pour une personne qui travaille, enfin, pour des personnes qui travaillent dans le côté médical. On me parle de voyage. Voilà, on me dit qu'il y aurait une possibilité de faire un voyage plutôt au niveau des professionnels de la santé. Voilà. Voilà pour la journée de lundi. Alors, on finit par un petit tirage avec l'oracle des chakras du cœur. Je surveille le temps. Donc, pour la journée. Il y avait plein de messages aujourd'hui. J'espère que vous aurez votre message si vous recherchez un message quelconque. Alors, on nous parle du poids de la famille.
Pour certains, c'est quelque chose d'important, la famille. Même si c'est un poids, c'est quelque chose qu'il va falloir gérer. Il faut faire avec. C'est quelque chose qui est tellement ancré en vous que la famille prend toute la place, en fait, dans votre vie. Et on a l'impression qu'il faut vraiment composer. Voilà, je cherchais le mot. Il faut composer avec. Alors, c'est bizarre parce qu'on me parle d'âme sœur spirituelle, mais en même temps, ce n'est pas ton âme sœur. Donc, peut-être que pour certains, il y a peut-être... J'entends que la famille est tellement présente, en fait, dans l'environnement, qu'on a du mal à trouver... à faire la part des choses. Voilà, j'entends qu'on a du mal à trouver la part des choses. On se pose beaucoup de questions. On se pose des questions sur est-ce que vraiment je suis dans une bonne relation? Est-ce que c'est vraiment... est-ce que je suis pas en train de me tromper? Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Parce qu'on est encore dans des schémas... de famille. On est encore dans... avant, c'était comme ça. Donc aujourd'hui, ça ne peut être que comme ça. Voilà, j'ai vraiment ce message de dire, on se pose beaucoup de questions. Voilà, on se pose beaucoup de questions sur son couple, j'entends ça. On essaye de voir si vraiment on est à sa place ou pas. Voilà, c'est ce que j'entends. Je tire une dernière carte pour voir. Bon. Vie en commun. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a des questions qui se posent sur la vie de couple. Il y a des questions qui se posent sur comment je peux aller mieux, comment est-ce que je suis dans la bonne situation, est-ce que je ne devrais pas prendre en considération tout ce que me disent les autres. Hein. J'entends qu'on écoute vraiment beaucoup les autres. Alors, le poids de la famille, ça peut être une famille de cœur. C'est pas forcément sa vraie famille. Ça peut être des gens qui nous conseillent et qui nous conseillent peut-être tellement que finalement, on ne sait plus quelle est la vérité. On ne sait plus où donner de la tête. On cherche vraiment si on est avec la personne qui nous va ou la personne ou non. Hein, voilà, c'est vraiment... on est dans ce questionnement, là, pour la journée de demain. On est vraiment... mais là, on nous parle d'une vie en commun. On nous dit qu'on a les clés. Alors, on a les clés pour cette vie en commun. C'est nous-mêmes qui devons savoir et se poser les bonnes questions. Et qu'à partir du moment où on va se poser les bonnes questions, à partir du moment où on va s'écouter, hein, tout à l'heure on parlait effectivement avec ces petites cartes, de s'écouter, de ne pas prendre le costume des autres. Hein, voilà. Si on s'écoute, nul doute qu'on arrivera à faire ce qui est bon pour nous, en tout cas, et à trouver la solution pour... savoir si on ressent du bien-être dans la relation dans laquelle on est ou pas. Voilà. Alors, ça dure un peu plus longtemps parce qu'il y avait quand même un message un peu particulier, donc il a fallu quand même l'écouter. On va prendre juste deux petits messages comme d'habitude avec l'oracle des elfes et l'oracle des amoureux pour savoir si vous avez une question, si vous voulez une réponse plutôt sentimentale ou générale. Voilà, prenez un des deux oracles. Et on va commencer tout de suite par l'oracle des amoureux pour le petit message. Vous pouvez prendre les deux, hein, c'est pas interdit. Alors, on a le message qui est sauté. Faites-vous confiance. Voilà, hein, tout à l'heure on a vu hein, effectivement dans le tirage qu'on doutait, on ne savait pas où on allait, on ne savait pas si on était avec la bonne personne ou pas. Faites-vous confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà, on parle de confiance. Tout à l'heure aussi, on nous parlait de confiance, hein, on nous parlait de courage, d'intégrité. Et vraiment, il faut se faire confiance et puis écouter ses ressentis. Alors, le message, eh ben, ça a déjà sauté. Ça parle, aujourd'hui ça parle, ça veut parler. Il y a deux messages. Alors, sois pleinement conscient de l'être merveilleux que tu es. Et là, mobilité, la vie est une danse. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure hein, avec ces cartes hein, qui disaient qu'en fait, il faut se respecter, il faut s'assumer. Il ne faut pas hésiter en fait à exprimer
qui on est vraiment et puis être conscient de qui on est. Vous êtes un être merveilleux, c'est ce que, voilà, on est vraiment dans faire ressortir qui on est vraiment et puis aller de l'avant. Hein, voilà. Dans la mobilité, j'entends ça, j'entends aller de l'avant, rentrer dans la danse. Hein, voilà, j'entends vraiment ça. Eh bien, écoutez, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté en tout cas jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker la vidéo, à marquer un petit commentaire si vous en ressentez le besoin. Et puis à vous abonner, cliquez sur la cloche pour suivre mes futures vidéos. En tout cas, en attendant, je vous dis merci. Et je vous dis à demain pour de nouvelles énergies. Bonne journée.